Security is a common good. Co-producing security is a very practical idea of going beyond partnership, going beyond consultation to actually co-produce a diagnosis of what we need and what we want in our city, and then implementing it together. Le Forum européen pour la sécurité urbaine organise régulièrement des conférences internationales relatives à la coproduction de la sécurité et de la prévention par les acteurs privés et publics. Nous avons réuni plus de 800 participants, des professionnels de la chose publique ou de la sécurité. Il y avait 40 pays participants sur les 5 continents. 15 thèmes ont été abordés, parmi lesquels la sécurité et le radicalisme, la sécurité sur l'espace public, la sécurité des femmes ou encore l'association du secteur privé à la production de la sécurité. Et la réunion a débouché sur un manifeste qui à la fois reprend les grandes valeurs du Forum européen depuis sa création, mais aussi les propositions qui sont faites à l'égard des pouvoirs publics. La sécurité est un pilar básico para el desarrollo de la actividad habitual. El espacio más conocido en el mundo que representa Cataluña, que es el estadio del Fútbol Club Barcelona. Cuando vamos a ver un partido, nadie está pendiente de la seguridad, básicamente porque hay unos profesionales que sí que están muy pendientes. Un partido en el cual hay más de 100.000 personas de un altísimo riesgo se puede desarrollar en una armonía absolutamente completa. Before even crime takes place, we have to speak about prevention. And prevention at local level, it means to take the different segment or different target groups into consideration, like youth, like women, or like elderly people, and just look at to the vulnerable groups in the society. Of course, the co-production of security is not a theoretical concept, but very much a reality, and that was embodied in the conference. We had one workshop, for instance, on diversification of security actors, and there very concretely people understood better what the role of the private sector can be, what the role of citizens can be. And one example I'd like to give is that we were able to ask each city to bring young people within their delegation so that we would also among participants have not only policymakers but also youth that is who are engaged in our issues. On a été repéré par des membres des FUS pour participer à un programme d'échange avec des jeunes qui sont venus intégrer le salon. Je pense qu'en termes de bénéfices, on peut en citer deux. Le premier, c'est de faire des relations. On a pu également prendre des contacts de personnes qui faisaient la même chose que nous et pourquoi pas proposer notre film dans d'autres endroits. Vu qu'on s'entend très bien avec la ville, avec notre ville de quartier, je pense leur proposer un peu leur donner ce qu'on a entendu et leur proposer peut-être des initiatives qui sont faites dans d'autres villes en fait. We've had delegations from Canada, from many different African countries, from Latin America as well, and it's important for us to emphasize this dialogue between European cities, but also with cities from other continents. Nous avons pu bénéficier aussi de l'expérience de l'aménagement urbain, comment l'environnement peut impacter la sécurité, et nous pensons que avec ce que nous avons vécu, avec ce que nous avons entendu. Et nous nous rendons compte que partout, la sécurité est la même problématique, que ce soit en Europe, en Afrique. Mais nous nous rendons compte encore beaucoup plus que l'Europe a intérêt à partager son expérience avec les pays en développement, notamment en Afrique. European Union policies is made up for national level, but if we look at the structure of the European countries, more than 75% of the population, they live in cities. I am coming from a local level, from city administration of Vienna, and it is very, for us, very precious and very important to have the urban agenda, even in the European Forum for Security.